Allez, bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau compte-rendu de Vide-Grenier concernant le fameux week-end de Pâques, avec pas moins de 7 disques et 3 DVD. Le week-end, bien que concentré, ne fut pas l'orgie de trouvailles annoncées, la faute à une certaine récurrence des exposants. On retrouvait souvent le même stand, d'une journée à l'autre, d'un vide-grenier à un autre. Et pour être franc, après un long moment à arpenter mon département, il n'y a guère plus de grandes surprises concernant les disques, même si ça peut encore arriver. Mais entre les charlatans qui estiment le prix du disque à la tête du client et certains hipsters hystériques qui te passent devant sans dire bonjour, s'il vous plaît, ou au revoir, c'est rageant. Un vide-grenier, ce n'est pas dépouiller les gens sans aucune forme de politesse, c'est avant tout l'occasion de faire des rencontres et parler un peu quand même. C'est plutôt de cette façon qu'on trouvera encore quelques perles, comme le No Quarter de Led Zeppelin qui m'a été offert l'année dernière après une discussion ouverte et amicale. Concernant les hystériques, ce phénomène inquiétant, dont j'avais déjà pointé l'arrivée il y a quelques temps, devient de plus en plus intense et récurrent. J'ai peur qu'à l'avenir, il faille se lever aux aurores et partir seul pour devoir non plus diguer tranquillos, mais plutôt chasser dans la défiance et l'irrespect de l'autre. Un petit changement de département également sera le bienvenu à l'avenir. Allez, on commence avec le premier disque, Pearl Disco, signé Giorgio Moroder Productions. Il s'agit de 3Ds ou 3 Degrees, trois chanteuses qui ressemblent à s'y méprendre aux trois autres chanteuses de cette autre Pearl Disco qu'est le Silver Club. Ici, on écoute brièvement Jump the Gun. Ensuite, ce nouvel album de Van McCoy intitulé Disco Baby et qui vient rejoindre cet autre album de McCoy que je possédais, Love is the Answer. Ce sont les deux seuls albums de cet artiste, assez atypique dans le paysage de la disco, très symphonique et emporté, comme vous pouvez l'entendre avec le morceau The Hustle qui fut un hit à sa sortie. Vient ensuite un diptyque Gloria Gaynor avec ce premier album, une fantastique perle, Never Can Say Goodbye, avec des tubes comme le morceau au titre éponyme ou bien ce Reach Out, I'll Be There, comme on peut entendre maintenant et qui reste un standard de la diva soul. L'autre album de Gloria Gaynor que j'ai pu trouver, c'est celui intitulé Experience, avec des morceaux assez fabuleux comme la reprise de Walk On By de Björn Karat, ou bien ce Casanova Brown, mythique. D'ailleurs, si vous tendez l'oreille, vous pourrez reconnaître le passage samplé par Jamie XX sur son album consacré à G. Scott Heron. Tenez, c'est là, écoutez. Allez, on termine cette trouvaille disco avec l'album célèbre d'Anita Ward, Love Song, notamment parce qu'on pouvait y entendre ce Ring My Bell, longtemps resté en haut des charts, aujourd'hui lui aussi samplé dans tous les sens. À 2€ l'album, j'ai pu diguer ces 5 petits bijoux de la disco pour la somme de 10€ à la même personne. Ensuite, cette surprise avec Magna Carta, l'album Season, que j'ai trouvé pour 1€ dans un bac rempli de vieilleries et sans pochette, et qui m'interpella sur la date et la provenance du son anglais de l'année 1970. Ça n'a pas trompé, avec ce petit classique aux accents très British rock, rappelant les plus grands du genre, mais avec une tranquillité toute relative au thème général de l'album, les 4 saisons. L'album se négocie chèrement sur le market du Discord, donc très content de pouvoir y plonger les deux oreilles sur ma platine. J'en profite pour vous montrer 3 petits DVD avec ces deux pattes labor, le 1 et le 2. Signé Mamoru Oshii, s'il vous plaît, pour 50 centimes pièce, donc 1€ le lot. J'aime autant vous dire que, ne les ayant pas vus en plus, j'étais excité comme une puce en les trouvant à ce prix-là. Et puis ce Giallo, signé Umberto Lenzi, dont je possédais déjà le Cannibal Ferox, digué dernièrement, et qui vient rejoindre un autre titre de lui dans la collection Polizai Tecchi. Autant dire que ma collection Neo Publishing se densifie à tout petit prix, et vous m'en voyez plus que ravi. On retourne enfin à la platine, avec ce dernier disque, plus une curiosité qu'un réel intérêt musical, puisqu'il s'agit d'un album de steel drum, sonorité jamaïcaine, d'où provient directement cet album, et enregistré par George Benson, le George Benson de Gimme the Night, ce qui attisa mon attention et provoqua cet achat. 2€ tout de même, mais que je ne suis pas prêt d'écouter encore et encore. C'est tout pour ce petit week-end Pascal, merci de votre suivi grandissant, de compte-rendu en compte-rendu, en vous souhaitant le meilleur que l'on puisse vous souhaiter. Je vous dis à bientôt pour un prochain compte-rendu, probablement après le 1er mai et dans une autre région pour changer un peu et provoquer de belles trouvailles. A bientôt donc, et bon digging.